Salut à tous, petit préambule, on est en train de préparer le nouveau road trip. Donc c'est la DVA, vous verrez pourquoi. Et puis là je suis en train de faire les premiers itinéraires, les deux premières étapes. On va y aller avec le petit road trip moto, tout prévu mais parce que c'est trop bien fait. Donc la DVR c'est l'Ardèche, la Drôme, le Vercors et les Alpes du Nord. Itinéraire. Avec un maximum de bivouac sauvage, si on peut, et des locations chez l'habitant, histoire de jouer les Robinson Crusoe de la route. Allez, à plus! Pour la poursuite de la prépa road trip des Nams et de la vache qui rit et du jambon, alors ça c'est un régal. Le petit pain au chorizo. Et après prépa, les petites serviettes pour se baigner. Ça c'est, vous allez voir, le réchaud à boire. Ça c'est pour se laver. Je sais plus où il y a la douche quelque part. Ça ce sont les matelas, les duvets, la popote, la tente. Toilettes, j'ai perdu la douche. Les chaises, enfin ça je sais pas si elles vont suivre. Et la douche. Maintenant on vous reprend demain matin, ou demain plutôt demain midi, pour faire notre première étape de 4h30, 5h de moto pour arriver au Verdon. Capitaine, mon capitaine. Bon, c'est une petite pause, de contract, petite boisson, parce qu'il fait chaud, on est à plus de 30 degrés. On continue notre petit parcours jusqu'à du côté de Moulins. Voilà. Pour ceux qui nous suivent, on est sur Insta aussi. Tchou. Thank you.
Coucou tout le monde. Eh ben, on est arrivé à notre première destination, bivouac sauvage. Donc on va chercher l'endroit, peut-être là, peut-être derrière vous. Regardez, on va pas être mal. Là, il y a une petite rivière. On va peut-être aller mettre les pieds, c'est sûr, se baigner, on verra. Et puis ben, on vous reprend quand on est installé. Allez, montage de tente, jeune homme. C'est l'heure du petit café. Un petit spot bien sympa. On a une route magnifique. C'était la D7 à un moment, là, je ne sais plus où trop on est. C'est une route pour motard, hein. On se régale. Le Brugeron nous remercie de sa visite, de notre visite. Écoutez. Ça s'appelle le calme. Ça s'appelle le calme, voilà. Donc on va par là. On a fait une petite pause haut et c'est reparti. Là-bas, là on s'est fait la grimpette, là on s'améliore. Allez, parce que là, il y a plus de temps. Allez, on va
de filmer en bas. Que c'est, le prince Albert est venu le 1er juin 23. Donc eh ben, on l'a raté de peu. Et nous, ben, on arrive au pied. On va être à l'ombre. Ce qui fait au-dessus de 30 degrés. Quand on aime, on ne compte pas. On se retrouve là-bas. Le puits de l'abîme. Le bordel a fait 70 mètres de profondeur. Donc il y en a un qui est descendu voir ce qui se passait. On peut pas. Hein. On va essayer de vous montrer. Alors je vais essayer de pas lâcher la GoPro. Hop. Voilà. Et on verra ce que ça donne. C'est bon. On volait à 6 km. Septembre. Ben là, on vient d'arriver sur le deuxième air de bivouac. Petit camping municipal, au fond de la campagne auvergnate. Et demain, nous irons faire une boucle privée au Benas. Donc, on est dans ce coin-là avec la source de la Loire. Ciao, ciao, à plus. Bon, la petite nuit près de Privas. Alors, en fait, à 50 bornes de Privas. Bon. Bah, là, tout va bien. Pourtant, cette nuit, bah, je peux vous dire qu'il y en a qui n'a pas, pas fermé la porte. On en a eu des coups de vent, un peu de ouf. Et là-bas, on a eu un ami motard qui nous a rejoint hier soir. Qui est de Salon de Provence avec un petit accent. On va aller dire coucou, bah on a tapé la discute, bah c'était cool. Et puis bah voilà, lui il part, il va faire son petit tour, ça se trouve, on va peut-être se croiser sur la route, on sait jamais. Tchou! Allez, et puis nous, bah, on termine de se préparer, et puis on va donc en direction d'une cascade, je sais plus le nom.
Après le mont Gerbier de Jonc pour aller voir les sources de la Loire et puis tout notre petit circuit et on finira vers Jaugeac. Une route pour motard, hein, on se régale.